Oui, allô? Bonjour. Allô, c'est Julie. Ok, parfait. La La rencontre. chapelle. La Je vais me rencontre. mettre encore sur mute, là, mais tu sais, si jamais, moi, je vais interagir, si jamais j'ai besoin par, voyons, chat avec Mathieu. Mais Vincent, je pense que c'est toi qui me parles en ce moment? OK. Si jamais tu as besoin de me parler, ben tu peux me texter sur mon cell comme tu as fait aujourd'hui, sinon texter Mathieu directement. Pas de problème. OK, Merci. c'est beau. OK, Les gens merci. commencent à rentrer en passant, tranquillement. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Nous prendrons encore 2, 3 minutes pour permettre aux gens de se connecter. Alors, merci de votre patience.
Bonjour à ceux et celles qui viennent d'arriver. Nous allons encore prendre une à deux minutes pour permettre à tout le monde de se connecter. Merci. Alors, je crois que une majorité des participants sont arrivés. Alors, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à cette soirée d'information et d'échange sur le projet d'agrandissement du skatepark du parc Arthur-Thérien. Je me présente, Pauline Lampton, votre animatrice pour cette soirée. Je ne suis pas employée de l'arrondissement de Verdun. Je ne suis même pas bonne en skate, malheureusement. Mais je suis une résidente de Montréal à qui on a confié le mandat d'animer cette soirée. Mon rôle est de veiller au bon déroulement de la rencontre. En raison de la pandémie, nous devons évidemment adapter nos pratiques. C'est pourquoi cette soirée se tient en mode virtuel. D'entrée de jeu, si vous avez des problèmes techniques, une ligne téléphonique est offerte à vous. Vous pouvez la noter au besoin. Le numéro est le 1-877-889-0620. Alors, si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas. Votre présence ici ce soir témoigne de votre intérêt pour le projet d'agrandissement du skatepark. On vous remercie d'avoir pris le temps d'échanger sur le sujet avec nous ce mardi soir. L'objectif de cette soirée est de vous présenter le plus fidèlement possible les différentes facettes du projet et par la suite d'échanger avec vous, de recueillir vos commentaires et évidemment de répondre à vos questions. Cette soirée d'information et d'échange sera enregistrée afin de la rendre disponible sur le site Internet de l'arrondissement de Verdun dans les prochains jours. Vous aurez également la possibilité de visionner la présentation sur le site. Ainsi, vous pourrez faire suivre les informations dans vos réseaux. J'aimerais maintenant souligner la présence parmi nous des conseillers et conseillères Sterling Downey, Luc Gagnon, Pierre Lheureux et Véronique Tremblay. Je vous explique le déroulement de la soirée. Ce serait très simple. Premièrement, le conseiller, M. Sterling Downey, vous adressera un mot de bienvenue. Ensuite, Mme Diane Vallée, de la direction de l'arrondissement, vous parlera du contexte dans lequel s'inscrit le projet. Puis, Mme Julie Mahoney, qui est conseillère en planification dans l'équipe de sports et loisirs, vous présentera plus en détail le projet. Par la suite, nous aurons notre période d'échange, de commentaires, de questions. Ce sera l'occasion de vous entendre. Et d'ici là, on vous demande, si possible, de garder les micros fermés, d'écouter, de conserver vos questions et commentaires pour cette période d'échange. Je vous expliquerai à ce moment-là le fonctionnement technique du système, les façons de prendre la parole. Vous verrez, c'est très, très simple. Finalement, le conseiller, M. Sterling Downey, vous adressera le mot de la fin. Alors, ça conclut mon introduction. Sans plus tarder, j'invite donc le conseiller de ville à l'arrondissement de Verdun, M. Sterling Downey, à vous adresser quelques mots de bienvenue. Merci beaucoup, Pauline. Donc, pour commencer, merci à vous toutes et tous d'être ici ce soir parmi nous pour cette soirée d'échange et justement l'envisionnement du deuxième phase du skatepark qui s'en vient. Je salue la présence de mes collègues qui étaient nommés par Pauline déjà ici, les autres élus de l'arrondissement. Mais j'aimerais aussi souligner la présence de nos services qui sont ici. Donc, Marlène Gagnon, qui est la directrice de culture et sport de loisirs et développement social de l'arrondissement. Madame Diane Vallée, qui est la chargée des projets de la direction
de l'arrondissement, Julie Maroney, conseillère en planification dans l'équipe des sports et loisirs, Véronique Dorval, qui est ingénieure, Julie Lachapelle, chef de division et relations avec les citoyens en communication, et Mathieu Robert-Perron, qui est chargé de communication. Tous ces gens-là ont joué un rôle important dans la réalisation de cette phase-là du skatepark, et leur travail est bien apprécié. Donc, je vous remercie toutes pour votre travail dans ce dossier. Tout le monde, très fier de travailler à côté de vous sur ces genres de projets-là. Donc, un petit peu le contexte de ce projet-là. Moi, je suis particulièrement fier de ce projet-là d'agrandissement qu'on va vous présenter ce soir, parce que ça s'agit d'un projet sur lequel on travaille quand même depuis 2 ans, comme plusieurs de vous autres, vous le savez déjà. Lors de l'inauguration du skatepark, il était déjà question d'une phase 2 et de l'agrandissement de surface actuelle inaugurée en 2015. Le projet de skate tel qu'on le connaît a déjà été novateur à l'époque, donc puisque ça a été inspiré d'un concept de jeu vidéo. Et comme plusieurs de vous savez, Verdun était un petit peu un précurseur dans les arrondissements de Montréal pour vraiment faire un investissement dans un skatepark avant-gardiste de béton, comme on dit, qui était vraiment dû depuis longtemps et longtemps attendu par la communauté du skateboard de Montréal. Fort de son succès, notre skatepark connaît un achalandage donc très important, comme vous le savez, particulièrement en ce moment, alors que les activités extérieures sont privilégiées dues aux pandémies. Donc, c'est important pour justement la santé mentale des gens de sortir et de faire du sport. Donc, on est très content de voir que le skatepark et les skateparks à Montréal sont vraiment utilisés. La phase 2 de l'agrandissement du skate consiste donc d'un ajout d'une bolle, comme plusieurs de vous le savez aussi, qui serait connectée à les modules actuels. Nous avons travaillé avec la compagnie Spinworks, donc Dan Vezina qui est là ce soir avec nous autres et son collègue Stéphane Vallée, pour la conception du design. Dan est d'ailleurs, comme j'ai dit, présent. Donc, il va être capable plus tard dans la soirée sûrement de répondre à des questions quand on passe à la période d'échange. Comme vous le savez, le skate était toujours un sport marginalisé. J'ai plusieurs amis ici d'enfance qui sont présents ce soir de l'arrondissement de Verdun. Et je m'en souviens, quand on avait 14 ans, quand on a milité, nous, pour avoir juste une rampe, un half-pipe à l'époque, quand on avait 14 ans, on était des simples étudiants à l'école secondaire. Et grâce à ces efforts-là, on a réussi d'avoir ces rampes-là. Ceci dit, ces rampes bleues-là, en métal, ont resté pas mal longtemps dans l'arrondissement, pas mal dépassé leur date. Et je suis quand même fier de voir un vrai skatepark aujourd'hui dans l'arrondissement. Le bol va ajouter tout un aspect différent au skate. Présentement, on est vraiment axé sur le street, mais là, on va en avoir un petit peu plus de bol, un petit peu plus de vert là-dedans. Donc, je pense que ça va aider, puis ça va aussi régler l'enjeu, comme vous le savez, la congestion dans le skatepark pour le street. Il est très, très difficile des fois à skater, et donc le bol, c'est une personne à la fois, etc. Donc, ça va ajouter, je pense, tout un élément différent, puis si jamais on fait des événements ou d'autres affaires, comme sûrement ce soir, on va en discuter, ça va ajouter juste une coach de plus haut pour avoir quelque chose de bien. Le processus pour avoir cette bolle-là, comme j'ai dit au tout début aussi, c'est un travail vraiment approfondi par nos équipes à l'interne de l'arrondissement. Ils ont travaillé fort pour faire accepter ce projet-là de la Ville-Centre, pour la conceptualisation avec les équipes et pour s'assurer que ça se fasse pour qu'on ait un skatepark complet et vraiment un skatepark de 2021. Là, c'était vraiment important. Vous savez, c'est dans le parc Arthur-Terrien. Et pour nous, le parc Arthur-Terrien est notre pôle récréatif et sportif, mais récréo-touristique. Hein? On reçoit beaucoup de monde à ce parc-là pour beaucoup de différentes activités. Nous avons la plage, l'auditorium, d'autres activités. Donc, des familles qui veulent venir s'en profiter du skatepark, s'en profiter de la plage et d'autres installations. Je veux dire, vous avez, you have a plethora of different activities that you can do. Fait que c'est vraiment, je pense, vraiment beau. Donc, les objectifs de la soirée, je pense, ont déjà été mentionnés. Donc, j'ai pas besoin de les rementionner. Mais je vous remercie toutes sincèrement d'être ici. Et j'ai hâte d'avoir un échange avec vous autres puis avec mes collègues ce soir à ce sujet. Merci beaucoup.
Merci à vous, M. Downey. Et sans plus tarder, nous allons commencer la présentation afin de vous donner plus de détails sur le projet d'agrandissement du skatepark. Je vais donc passer la parole à Mme Diane Vallée, de la direction de l'arrondissement de Verdun, et ensuite à Julie Mahoney, conseillère en planification. Alors, Mme Vallée. Alors, bonsoir. C'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Alors, nous allons commencer la présentation par vous faire un petit survol d'ensemble de l'évolution un peu du projet, puis de son site et tout. Alors, évidemment, vous connaissez Verdun, ou pour ceux qui sont des amateurs de skate, mais qui viennent à Verdun pour apprécier nos installations. Alors, on retrouve trois quartiers dans notre arrondissement, avec des besoins distinctifs dans certains cas, puis d'autres activités qui sont prisées par tous. Alors, on dessert l'ensemble des quartiers avec l'aménagement du skatepark au parc Arthur-Terrien, qui se trouve à être dans un lieu central à notre arrondissement. Évidemment, le skate, c'est une activité qui est accessible financièrement, qui peut se pratiquer à tout moment, puis qui est de plus en plus populaire. Pendant cette période de pandémie, des activités de pratique libre, c'est d'autant plus apprécié. Alors, la clientèle, on vise vraiment l'ensemble des Verdunois qui peuvent être intéressés par le skate, le BMX, la trottinette, et qu'ils soient petits ou grands. Puis, pour ce qui est des autres quartiers, je profite de cette occasion peut-être pour faire un petit clin d'œil, à savoir qu'on va avoir aussi notre prochaine séance d'information et de consultation concernant les équipements collectifs à l'île des Sœurs, qui est prévue le 10 mai prochain. Donc, une date à mettre à vos agendas pour tous ceux qui sont intéressés par l'évolution des besoins collectifs pour l'ensemble de notre communauté. Alors, on va passer à l'autre diapo. Alors, bon, le parc terrien, alors c'est les équipements qu'on y retrouve ont beaucoup évolué au fil des ans. C'est un pôle sportif et récréatif qui est très sollicité, comme le disait M. Downey. Situé sur les berges du fleuve, à 5 minutes du métro, plus précisément 850 mètres du métro La Salle, adjacent à la seule école secondaire francophone de notre arrondissement, l'école Monseigneur Richard, et qui a une clientèle qui fréquente beaucoup le parc terrien et particulièrement le skate. Alors, c'est vraiment le site idéal pour le skate. Beaucoup de monde, un lieu bucolique, accessible, sécuritaire, central, puis où il y a une belle complémentarité entre les installations. Maintenant, on parle d'un pôle sportif et récréatif important. Alors, le Skate Plaza qui existe depuis 2015 et qui est au cœur du projet dont on va vous parler aujourd'hui. Puis, plusieurs plateaux sportifs. 4 terrains de baseball, un terrain de football, des terrains de tennis, terrains de basketball, des pistes cyclables, chalets de parc, piscine extérieure, modules de jeu. Et vous voyez même ici quelques amateurs de basket pour ceux qui apprécient l'endroit. Et évidemment, site où on retrouve maintenant la plage urbaine de Verdun qui est ouverte depuis juin 2019, plage très appréciée du public, tous les Verdunois s'y donnent rendez-vous et même encore plus de monde. Alors, c'est un succès de popularité, puis un lieu à visiter pour les amateurs de skate avant ou après avoir été fréquenter notre site de skate actuel et même le futur skate. Alors, évidemment, la pratique sportive de tous les sports libres a été appréciée. Et une de nos installations très prisées des Verdunois, l'Auditorium de Verdun, qui vient de réouvrir. Alors, après avoir été fermé et qui, petit à petit, reprend son envol, si on veut. On a un peu de contraintes, mais c'est quand même un des hauts lieux d'événements et d'activités sportives de Verdun qui reprend un peu progressivement sa vocation première. Alors, si on regarde maintenant les projets qui s'en viennent dans le secteur du parc Arthur-Terrien, alors pour cette année, on retrouve l'aire de pique-nique tout près de la plage, il y a des tables de pique-nique qui vont être installées. Il y a du mobilier urbain qui s'en vient dans le secteur, qu'on parle de bancs, qu'on parle de
de poubelles, qu'on parle de différents mobiliers stylisés qui sont prévus tout le long de notre parc riverain. Il y a des travaux de réfection prévus au parc à chiens champions. Il y a des nouveaux terrains de pétanque qui vont s'ajouter au cours de l'été. Il y a de la naturalisation, des aménagements d'habitat du poisson qui sont prévus en amont et en aval de la plage. Évidemment, la réfection du skatepark, le nouveau bol de skate, et tout ça dans un environnement où on a un vaste chantier en périphérie, mais un peu dans le parc en même temps, soit l'hôpital de Verdun. Alors, pour faire avancer ces chantiers-là, vous comprendrez qu'il y a d'immenses défis pour l'année qui s'en vient. Et bon, dans les demandes de notre population, parmi les activités les plus populaires chez les jeunes du groupe d'âge des 15 à 24 ans, vous comprendrez certainement que la planche à roulettes, communément appelée skate, est partie du top de la liste. Alors, on trouve aussi des différentes activités sportives, la balle de soccer, le volleyball, qui font aussi partie des activités très prisées, et des différentes activités de socialisation. C'est à cet âge-là, dans le fond, qu'on apprécie se retrouver en grand groupe. Et le skate, c'est un endroit où on retrouve des gens de tous les milieux. On avait un comité citoyen d'accessibilité universelle la semaine dernière, puis il y avait même un jeune en fauteuil roulant qui me disait qu'il allait fréquenter le skate. Alors, c'est vraiment très utilisé par tout le monde. Alors, puis les gens se retrouvent ensemble, puis apprécient, c'est très collégial là, en termes de fréquentation. Alors, ça compléterait cette première partie. Et j'inviterai maintenant ma collègue Julie Mahoney à vous présenter de façon plus spécifique les aménagements qui sont planifiés dans le parc. Julie? Oui, bonjour tout le monde. Je suis rendue à la bonne page. Donc, je suis heureuse d'être avec vous ce soir. Merci, Diane, pour la présentation. À titre de conseillère en planification, j'accompagne l'équipe d'ingénierie dans la conception d'aménagements culturels et sportifs. Donc, je vais continuer la présentation de ce soir avec un peu l'histoire du skate à Verdun. Le skate à Verdun, ça date pas d'hier. Et la première étape d'idéation de projet a vraiment été de comprendre l'historique du skate verdunois. On a déniché des photos qui datent un peu pour vous présenter la fameuse rampe bleue des années 80. En fait, on me dit qu'il y en avait deux. Il y en avait une à l'île des Serres et il y en avait une sur la terre ferme. Comme vous pouvez le constater, il s'agissait d'une rampe pour des skateurs plutôt avancés. La rampe a fini par être démontée en fin de vie utile là, pour des enjeux de sécurité, mais l'esprit de la rampe est resté gravé dans l'imaginaire des skateurs de l'époque. Puis on en entend encore parler. Ici, on voit encore la rampe bleue, mais sous un autre angle qui vraiment démontre un peu sa grandeur. Il faut se rappeler que c'était une autre époque où le skate était encore très marginalisé. Bon. Ici, c'est dans les années 2000, l'arrondissement de Verdun a investi dans des équipements pour le parc Arthur-Thérien. Et puis, par rapport à la rampe bleue, on a vu vraiment un changement de clientèle cible. Les experts skateurs ont un peu délaissé Verdun, malheureusement, mais ça a été au profit d'une clientèle plus jeune. Puis, c'était un skatepark qui était très linéaire, où est-ce qu'on faisait beaucoup d'allers-retours entre les obstacles. C'est pas idéal quand on pense à faire du skate fluide puis qu'on veut faire des 180 et des 360. Donc, si on se met un chapeau multisport aujourd'hui, en fait, moi, je me mets souvent un chapeau multisport, je crois vraiment que le développement sportif se fait par inspiration puis les jeunes doivent voir les meilleurs pour être motivés puis être challengés. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'avec la désuétude des équipements qui ont été un peu délaissés, on a saisi l'opportunité pour faire un modèle qui se veut plus inclusif des différentes clientèles. Et donc, tada! En 2015, on a gardé le même endroit pour investir dans un nouveau skatepark. Le skatepark est en fait une reproduction d'un espace public, mais pour le skate. Donc, les installations sont faites sous forme de boulevard qui mènent à quatre petits skateparks différents. On peut passer de l'un à l'autre
comme si on se déplaçait pour visiter des maisons sur une même intersection, en fait. Donc, il faut se rappeler, on est en 2015, puis Verdun a obtenu un soutien financier de la Ville-Centre de 200 000 $ pour le skatepark, qui a quand même coûté autour de 700 000 $ Et Verdun a été précurseur pour comprendre qu'un investissement en skate, bien, c'était plus que des équipements, en fait. Donc, le skate a été vraiment important, puis ça a été un point tournant. Ça a été une superficie, et ce l'est encore, en fait, aujourd'hui, parce qu'il est encore là, de 1630 mètres carrés. Tout a été pensé à long terme. C'est en béton, donc c'est plus durable. C'est pas de l'asphalte. L'espace entre les obstacles aide à la prise de vitesse, réduit aussi les risques de collision. Donc, le skatepark a vraiment été pensé pour tout le monde. Il a été conçu autant pour des jeunes comme des plus vieux, de différents niveaux aussi d'apprentissage, mais aussi différents sports où est-ce qu'on peut voir du skate, mais on peut voir du BMX et des trottinettes également. En 2021, donc maintenant, grâce au programme d'installation sportive extérieure de la Ville de Montréal, l'arrondissement de Verdun a pu mettre de l'avant des projets dont l'arrondissement rêvait depuis longtemps. Finalement, on donne priorité aux installations extérieures variées. On développe donc une nouvelle mouture de notre offre de services de skate, de BMX et de trottinette. Les travaux prévoient en fait un half-pipe à l'île des Sœurs pour avoir une offre de service à l'île, mais aussi, donc c'est un petit peu un premier équipement qui va nous permettre de comprendre un peu la popularité du skate à Lille, va répondre à un besoin d'augmentation de la population adolescente également et va pouvoir s'intégrer au parc La Fontaine. Et puis ça, je fais un clin d'œil à ceux qui étaient peut-être présents à la séance d'information citoyenne il y a quelques semaines de cela sur la rampe de l'île des Sœurs. Donc, le deuxième investissement, pardon, c'est une réfection du skatepark actuel à Arthur-Thérien. Donc, on s'est rendu compte que le skatepark est très achalandé et on est un petit peu victime de notre succès. Donc, il y a quand même une certaine usure prématurée. Finalement, on va avoir un nouveau bol. Donc, il était déjà dans les concepts du skatepark en 2015, mais on n'avait peut-être pas la capacité financière à ce moment-là. Donc, si on regarde rapidement le premier projet, soit la rampe qui est planifiée pour l'île des Sœurs, nous désirons vous mettre un petit peu à jour suite à la séance d'information mentionnée. On veut déposer le premier équipement et ça va permettre de voir justement la popularité. C'est important de voir que c'est pas un copier-coller de ce qui se passe sur la terre ferme. On veut vraiment travailler en complémentarité. Donc, il n'y a pas de half-pipe prévu sur la terre ferme. C'est une rampe qui mesurera 288 pouces de longueur, soit à peu près 7,3 mètres, avec une hauteur de 40 pouces, donc à peu près 1 mètre. Puis, il y a quand même un bel espace de largeur de 120 pouces qui va permettre de faire des manœuvres intéressantes aussi. Et la rampe va être accompagnée de deux bancs skatables. Donc, suite à la séance citoyenne, c'est le site du parc de La Fontaine qui a été choisi. Comme il s'agit d'un équipement et non d'une installation, ce nouvel équipement vient compléter un peu une offre de services existante dans un parc qui est déjà bien fourni. Comme vous voyez sur l'image actuellement, la rampe, c'est le carré bleu. Et puis, il va être posé dans un espace perdu entre l'allée centrale et la clôture de la piscine. Les bancs skatables sont les carrés rouges et puis il y a des aménagements paysagers qui sont les carrés verts qu'on voit sur l'image avec, on garde par contre la table de ping-pong qui va venir compléter un peu l'espèce de design qui était déjà en place. Donc, ces travaux-là vont se faire au mois de mai. Si on passe maintenant au deuxième projet de skate cette année à Verdun, il s'agit de la réfection du skatepark actuel de Arthur-Thérien sur la terre ferme. Donc, je vais commencer peut-être par vous présenter l'existant. Le skatepark ou skate plaza, il y a quand même des lampadaires, puis il y a une bonne fontaine pour donner une crédibilité au volet plaza, si on veut, et fonctionne avec des modules aussi pour débutants et avancés. Donc, l'endroit permet la fluidité entre les modules.
Puis, on a plusieurs modules qui sont identifiés sur l'image. Je vais peut-être pas les passer tous un par un, mais sachez que les modules 10, 11, 12, 13, 14 sont dans la zone rouge, qui est une section qui cible les plus jeunes. Il y a deux hips avec des rebords de glisse et un bump 360 qu'on voit là. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur ici. Le module 1, c'est un élément signature avec un quarter pipe step, c'est-à-dire en escalier pour skater à partir d'un point haut. Les modules 3 et 5 sont des modules qui se retrouvent dans plusieurs skateparks. Les modules 7 et 8, par contre, sont des modules qui sont très appréciés des skaters, qui sont un petit peu plus uniques. Le module 7, c'est un corner bank qui, en fait, c'est un mur incliné en coin et c'est aussi un point tournant, pardon. Pour le module 8, c'est un corner block qui offre plusieurs possibilités de création. Le dernier que je vais peut-être mentionner, c'est le module 4 qui offre un élément de glisse assez intéressant aussi. Donc, cet été, ce qu'on va venir faire comme réparation, ça va être au mois de mai. Puis, on va faire des réparations. A, c'est des fissures qui se retrouvent un petit peu sur l'ensemble du Skate Plaza. En B, il y aura également le remplacement, pardon, du rebord de glisse du module 4 que je viens de mentionner. En C, c'est les travaux publics qui vont faire un peu de marquage au sol, aux endroits qui en ont peut-être un petit peu de besoin. Le D, c'est l'ajout d'un quart de lune pour venir bloquer un peu la circulation qui est non sécuritaire entre le stationnement et le skate plaza. Puis ça ajoute en même temps un élément skateable. Donc, c'est pas juste bloqué pour bloquer. Là, on vient ajouter un élément, une valeur ajoutée au skate plaza. Le E, c'est un reprofilage de la butte, parce qu'on voit que ça a été quand même un peu déchaussé et inclut une relocalisation de l'arbre qui est à cet endroit-là également. Le F, c'est un ajout de bordure. Le G, c'est un correctif pour un problème de drainage sur le terrain. Et le H, c'est un ajout d'une barre de division qui va aussi inclure un support à vélo. Ici, on vient simplement faire un rappel d'où est situé le Skate Plaza dans le parc Arthur-Terrien. Donc, on le voit ici, là, si vous voyez mon curseur. Puis, je l'ai mis sur cette page-là pour qu'on voit tout de suite après. On reprend un peu la même image, puis on appose en bleu l'espace requis pour insérer le troisième projet de skate à Verdun, soit l'ajout du bol. Donc, on vient positionner le nouveau bol à côté du skate actuel. Alors, pourquoi veut-on aller vers un nouveau bol? Ben, en fait, c'est pour avoir un ajout accessible pour toute la population verdunoise intéressée. C'est aussi un espace réservé qui est là depuis 2015. Et c'est pour maintenir l'achalandage du skatepark en toute sécurité. On l'agrandit, puis on innove en même temps. Donc, tada! Voici le nouveau bol qui s'en vient. Donc, on voit sur l'image qui est annexée justement au skatepark, le nouveau bol aura une superficie de 776 mètres carrés. Le consultant responsable de la conception et du design est avec nous ce soir et c'est la compagnie Spinwork. Puis, il a été accompagné avec Cap Architecte Paysagiste pour l'aménagement paysager, Équipe Laurence pour le volet génie civil et DWB pour la partie structurale. Une clientèle de skaters débutants, intermédiaires et avancés sont à inclure dans l'analyse des clientèles cibles. Montréal, on n'est pas Vancouver, on n'a pas autant de skateparks, mais on trouvait que c'était important de regarder ce qui se faisait ailleurs, puis voir comment on pouvait être complémentaire et non identique. De cette façon, les usagers auront une expérience différente quand ils vont se promener d'un skatepark à l'autre, puis à Montréal ou ailleurs. Le nouveau bol de Verdun, en fait, ce qui est les bols que vous voyez à l'écran, c'est des bols qui sont comparables, qui sont d'une bonne vitesse, mais d'une taille à peu près, comme je dirais, une taille moyenne, en fait. Donc, le nouveau bol, les images que vous voyez, il y en a une en Australie, en Oregon, à Toronto et en Californie. C'est tous des bols qui sont considérés de taille moyenne, accessibles et intéressants pour tous les types de skateurs.
C'est vraiment un bol qui est bon pour maximiser un peu son utilisation puis faire beaucoup de transitions. Fait que c'est des bols qui sont considérés le fun. Donc, si on va maintenant un petit peu décrire les modules marquants du nouveau bol, il y en a 6. Il y a le point d'élévation ou le elevator corner pour obtenir une vitesse et pour avoir une longue glisse, en fait. Le second, c'est en fait un clin d'œil à l'image que je vous ai montrée au tout début, qui était le Verdun Vert de 1987. Donc, c'est vraiment une réplique de la rampe bleue qui existait dans les années 80. Le skater peut passer comme ça du plan horizontal vers le plan vertical pour effectuer ses manœuvres. Le module 3, ben, c'est un long jump. Fait que dans le fond, c'est une bosse qui permet des lignes de vitesse rapide. Le module se veut amusant pour explorer différents angles, mais aussi pour se laisser porter un peu par la gravité puis se laisser entraîner. Le module 4, c'est un court hip. Donc, c'est une glisse rapide avec un accès intéressant vers la capsule, puis une extension de pied. En fait, c'est vraiment deux transitions qui se rencontrent pour créer un point saillant. Le module 5, ben, on retrouve c'est un oververt pocket. C'est vraiment un élément signature du nouveau bol avec un mur central de 9 pieds de largeur. Finalement, en 6, on retrouve le bank to ledge. C'est en fait, il y en a un dans le street course et puis c'est un module où on peut partir des transitions de chaque côté et glisser pour faire le pont entre les deux. Donc, ici, on voit bien le module signature oververt inversé qui fait 5 pieds de haut. Je vais vous montrer quelques images comme ça. Là. Ici, on voit bien on voit le elevator corner pour lequel il y a une longue glisse et qui permet d'aller chercher de la vitesse intéressante. Dans cet angle-là, on voit en fait une des marches de l'escalier du quarter pipe du skatepark existant qui sera à la hauteur. En fait, qui va être à la même hauteur que le bol. Donc, c'est une autre façon de faire une transition entre le skatepark existant et le nouveau bol. Si vous voyez, c'est ici la marche qui est à la même hauteur. Puis Dan va pouvoir compléter là, parce que c'est vraiment lui l'expert de skate. Mais simplement pour vous dire, dans le fond, pour les travaux, pour la rampe de skate, les travaux débuteront début mai au parc de La Fontaine. Et au cours de l'été, il va y avoir des ajouts autour de la rampe qui vont être faits, comme des plantations, le remplacement des têtes de lampadaires, les bancs skatables et autres. Pour le bol, la conception est presque terminée. Le lancement d'appel d'offres est prévu pour le début mai. Puis, pour la réfection, ben, le contrat est octroyé, puis les travaux vont débuter sous peu. Là. Diane parlait tantôt qu'il y avait un chantier adjacent de l'hôpital. Ben, c'est pour ça qu'on n'a pas encore entamé les travaux qui étaient prévus à l'automne dernier. Donc, ça compléterait un petit peu ma partie pour présenter les aspects plus techniques de la présentation. Mais avant de passer à la séance de questions, je vais peut-être arrêter mon partage puis laisser la parole à Dan pour présenter une vidéo. Juste me donner un instant, là, je vais trouver la vidéo. Et je vais repartager mon écran dans. OK. Je ne le vois pas. J'ai du mal à partager mon vidéo. Est-ce que Vincent, tu as une idée pourquoi? Est-ce que ton attends, vidéo... Attends, est-ce que c'est ça? Non, ça passe pas. Hein. Il est peut-être trop lourd. Non. Hein? Ah, ça marche. Là. Ça marche. Yay! Peut-être le recommencer. Ouais, je vais le recommencer dès que vous le voyez. Tiens. Il n'est pas long, la vidéo. Là. C'est vraiment un 60 secondes que Dan va pouvoir vous expliquer. Bon, salut tout le monde.
juste pour faire une explication un peu de l'inspiration, ou le, c'est quoi ce bol-là pour le, l'île de Montréal, pour la ville de Montréal. Ça nous prenait quelque chose de vraiment taille, moyen, quelque chose accessible à tout le monde. On a le Vans. Le Vans, écoute, c'est pas la même chose partout que ça. Ça, c'est quelque chose de plus, plus facile à skater un mardi après-midi, juste parce que t'es dans le coin du bol. Ça nous prenait un bol de moyenne taille à Montréal fermé. On n'a pas. L'autre chose, c'est que cette bolle-là, qu'est-ce qu'elle va aider aussi, c'est qu'elle complémente bien le street course. Tu n'as pas besoin d'un deuxième skate avec des gros roues pour skater cette affaire-là. Tu peux partir du street, aller dans le bol avec le même setup. Pas nécessairement besoin de commencer à t'équiper comme le bol Vans. Fait que c'est vraiment ça. Ça remplit un besoin à Montréal d'un moyen taille. Merci. Est-ce que ça complète la présentation, Julie? Oui, en fait, je pourrais te redonner la parole, Pauline, en fait, à ce moment-ci. Merci. Je t'invite à laisser la présentation, le partage pour la période d'échange, juste pour la charte de participation. Oui, absolument. Je remets la présentation. Merci. Alors, merci à Mme Vallée, Mme Mahoney et M. Vézina. C'était très riche en informations et en visuels. On est maintenant rendu à la période de questions et de commentaires. Les intervenants feront de leur mieux pour vous donner les réponses les plus complètes. Diane Vallée et Julie Mahoney seront là pour vous répondre, bien sûr. Et Dan Vézina de la compagnie Spinworks, que vous avez rencontré, qui est concepteur du design du projet d'agrandissement du skatepark, sera également disponible s'il y a des questions plus spécifiques ou plus techniques. Avant de commencer, comme vous voyez à l'écran, j'aimerais quand même rappeler certaines règles pour assurer le bon déroulement de la période de questions et commentaires. Premièrement, une petite charte de participation pour assurer le bon déroulement. Osez prendre la parole. On est là pour vous entendre. Respectez les opinions et le tour de parole des autres, s'il vous plaît. Être courtois et respectueux afin de garder une ambiance de rencontre agréable pour les autres participants et participantes. Et finalement, d'intervenir de manière brève et directe afin que chacun et chacune puisse avoir le temps de s'exprimer. Pour poser une question, ce n'est pas très compliqué si vous n'êtes pas très à l'aise avec Google Meet. Vous avez simplement à lever la main virtuelle en cliquant en bas à droite de votre écran. Vous devez voir une petite main. Nous verrons alors que vous souhaitez prendre la parole, puis nous prendrons les questions et commentaires à tour de rôle en priorisant ceux et celles qui n'ont pas encore pris la parole. Tout le monde aura la chance de s'exprimer. Il y a aussi le clavardage ou le chat qui sera ouvert. Et M. Robert Perron, qui est chargé de communication à l'arrondissement, pourra intervenir à l'occasion dans le clavardage. On vous demande de demeurer respectueux si vous l'utilisez. On pourra répondre aux questions écrites dans le clavardage à la toute fin de la rencontre. Mais on vous invite bien sûr à échanger avec nous de vive voix. C'est vraiment le but de la soirée. Alors, je vois qu'il y a déjà une main levée. J'invite Pascal Lalande. Vous avez une question? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, oui. Oui, d'abord, super présentation. Vraiment beau projet. C'est drôle parce que ça fait un petit bout, j'en parle. Ouais, c'est ça qui manque à Verdun. Tu sais, il faut se déplacer, mettons, à Rosemont, au skatepark de Van Horn, si on veut faire un petit bol. Donc, ça, c'est vraiment excitant. Juste question technique, peut-être Dan pourra me répondre. La largeur totale du bol, parce que tu sais, ça prend quand même, ça a l'air super large. Fait que je me demande si on va pouvoir garder notre flot de vitesse pour vraiment, tu sais, monter dans le coin puis, je sais pas, grinder une bonne partie, là. Parce que ça me semble assez large. Fait que je sais pas, tu sais, on va-tu perdre notre vitesse si on essaie de se rendre d'un bout à l'autre ou ça va quand même bien couler? OK, je vais te l'expliquer. Tu vois, dans le centre du bol, il y a un genre de gros long boss, le boss central. Ça, j'ai skaté quelque chose de très semblable à Vancouver. Il y a un street course avec un genre de boss long comme ça. Et qu'est-ce que j'ai adoré dans ce street course-là, c'est quand tu, n'importe où ce que t'es, tu l'attaques de n'importe quel angle, tu embarques par-dessus, puis tu descends quand ça te tente. C'est comme, ça te donne un passeport à toutes les lignes du bol. Si on a mis un spine dans le centre, là ça brise la session et ça prend des certaines skills
traverser un spine avec un tuyau dessus. Ici, ouais. Qu'est-ce qu'on a, c'est un boss qu'on peut popper en ollie. Tu peux rester, comme j'ai dit, tu peux embarquer dessus sur le bout, rouler sur le top, puis décider par après, hey, je tourne à droite, puis je m'en vais attaquer la capsule. Ou je tourne à gauche, puis je m'en vais au vert corner. Ou de l'autre sens, je monte le gros bank, ou je m'en vais plus vers la capsule de l'autre bout. C'est vraiment un passeport pour toutes les angles. Et l'autre chose, c'est que je voulais vraiment deux beaux cupping longs. Je ne sais pas si tu situes les choses en script, mais il y a une grosse tendance de tenir des trucs vraiment longtemps. Ouais. Et ce que je suis en ce moment, ça, c'est mon atelier. On a une rampe de 24 pieds de large, juste deux purs cupping, pas d'extension, rien. Et on a passé l'hiver à tenir des backtails, des nose blunt slides, toute la largeur de la rampe, et c'était trop le fun. C'est super le fun de tenir ton truc longtemps. Vans, c'est un peu ça qui manque. Il n'y a pas un straight wall nulle part. Il n'y a pas une place que tu peux tenir ton truc longtemps, longtemps, longtemps. Fait que je voulais comme avoir cette option-là dans le bol. Et je l'ai vraiment appris avec la rampe ici à notre usine. C'est trop le fun, un long coping. Mais tu as plein d'options. Je veux dire, tu as quand même 1, 2, 3, 4, 5. Tu as quand même 7 coins. Fait qu'il y a toutes les options de curve, de trucs, de coins. Sauf il y a chaque bord du long boss, il y a deux coping. Un, c'est 36. L'autre donne 28, qui n'est pas trop large. Fait qu'au moins, celui de 36, il y a toutes les angles à aller le chercher, gauche ou droite. Et ça va donner l'opportunité d'essayer de faire la tail slide la plus longue que tu as faite de ta vie. C'est un peu ça l'inspiration là-dedans. Mais je ne suis vraiment pas inquiet de vitesse. Là. J'ai le skate à trois soirs dans ma tête, ce bol-là, et il n'y en a pas de manque de vitesse. Là. Zéro. OK, super. Merci beaucoup. Yeah. Peut-être qu'on peut remettre le bol en évidence dans la présentation. Il y avait aussi une question de Alex McConnell. Ouais, bonjour. Donc, merci à tous les gens impliqués dans le projet. Histoire courte, là, moi, j'ai émigré du lac Saint-Jean, sachant qu'il allait avoir un skatepark à Verdun. Moi, je suis travailleur social. Ma copine travaille à Monseigneur Richard maintenant. Donc, vous avez des beaux jeunes professionnels qui sont arrivés grâce à ce skatepark-là. Puis, nos enfants, ils vont à tous les dimanches et on adore ça. Donc, un gros props à toute l'équipe. C'est super de voir ça aujourd'hui. Moi, ma question va à quel moment, est-ce qu'il y a des moments dans l'été qui ne seront pas accessibles du tout, le skatepark? Est-ce qu'on pense peut-être que certaines sections soient accessibles? Puis, que d'une certaine manière, on puisse toujours avoir accès à une petite section du skatepark. Donc, voilà ma question. Pourrais-tu répondre, Pauline, si tu me le permets. En fait, pour la portion réfection, qui était le deuxième des trois volets là, qu'on présentait ce soir, il va y avoir une fermeture du skatepark pour à peu près une période de 2 semaines. Et puis, pour la portion bol, on n'a pas de date encore parce qu'on est en appel d'offres. Donc, on ne peut pas vous dire exactement, on prévoit pour l'automne si tout va bien. À ce moment-là, on va avoir un chantier qui va fermer une partie, mais vraiment juste une partie du skatepark actuel. Donc, vous allez pouvoir quand même l'utiliser. Merci. Merci. Merci pour la question et pour la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y a une question de Vince Chamard. Oui, allô tout le monde. Ouais, merci à toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet-là aussi. Je vois le bol de bon augure. C'est vrai qu'il y a de l'air pas trop gros, moi qui n'ai pas tant skaté de bol. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Ma question est plus au niveau de la réfection. Moi, ce que je vois depuis que je l'utilise depuis le début, en fait, je l'adore, le parc est très ouvert. Je vois qu'il y a le. Je ne me souviens plus c'est quoi le nom du module, là, mais la section, le numéro, mais le rail noir qui est là devant l'escalier de quarterpipe est vraiment sous-utilisé, à mon avis. Puis je n'ai parlé avec d'autres amis aussi. Il devient un peu embarrassant, puis les gens s'assoient dessus. Donc, le rail, il est vraiment sous-utilisé. Je ne sais pas s'il y aurait façon, idée comme ça, de le changer plus dans une parallèle peut-être au ledge rouge. Tu es d'accord? Puis, parce que les deux petits rails sont très petits. Pour ceux qui connaissent le skate, là, c'est très, très petit. Et celui que je parle, qui est devant la rangée d'escaliers de quarterpipe, a une super belle hauteur, parfaite, mais il se trouve à couper des lignes. Et souvent, on ne peut pas le skater parce que les gens s'assoient dessus. Donc, ça devient un peu embarrassant. Fait que je voulais savoir si c'était possible. En tout cas, idée comme ça, si jamais.
si on pouvait le redéplacer, celui que vous voyez là, dans la section en vert, là, le rail noir, il est presque jamais skatable. Puis en plus, quand on lande dessus, c'est sur un triangle, c'est pas super. Fait que voilà, c'est juste un petit commentaire comme ça. Sinon, pour le reste, bravo, puis bien content de voir tout ce qui s'en vient aussi. Là. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a une réaction à ce commentaire? Bien, on en prend bonne note. En fait, je pense que c'est super intéressant d'avoir le feedback des utilisateurs puis de comprendre vraiment qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. On est toujours en mode amélioration, donc on va l'inscrire peut-être pas cette année, mais dans des réflexions éventuelles, effectivement. Merci. Et il y avait aussi une question ou un commentaire de l'OSBI1. Oui, allô? Oui. Ouais. Bonjour. Question pour Dan, pour Vez. Yes. Salut, Vez. Salut. Coping. T'as-tu du pull block là-dessus ou c'est du coping en métal tout le tour? Ou... Le rebord du oververt avec le genre de tête transition qui est à côté, c'est tout en béton. Ouais. C'est pas pour le okay. coping, mais c'est formé un peu à le bagel. Mais le coin, okay. non. Écoute, ça t'offre pas au Québec. Je ne sais pas si... Ben, ça t'offre quand c'est bien entretenu. Là. Yeah, c'est, l'entretien, c'est pas quelque chose qu'une ville sont très partants à faire. J'en fais de temps en temps. Dans ce bol-là, le seul béton, c'est la section jaune. Tout le reste, c'est de l'acier. C'est juste une question de BMX, tout ça. Ça détruit... En banlieue, ça passe, mais quand centre-ville, là, c'est très difficile à maintenir un coin en béton. Puis j'ai une autre question. C'est la capsule, c'est vraiment ce que c'est les rebords sont jaunes, que tu me parlais du pull block? Oui, ça va être oververt. C'est en béton comme un curb. OK. Ça, c'est oververt? C'est oververt. Le radius d'expansion est 7,5, il monte jusqu'à 9,5. Et c'est comme deux coins qu'un flat wall avec l'oververt. Oh oui, toute la partie haut est oververt. Après, ça bégaye jusqu'à 6 pieds de haut. Avec un radius. Mais la section, si j'arrive de face, je veux dire, il y a vraiment un flat wall oververt avec deux coins oververt. Exact, exact. Tu peux skater le centre ou tu peux pomper un coin. Tu as comme un peu les deux options. Un peu bizarre. Yeah, j'en ai skaté un à Vans en Californie et j'ai vu le dernier mec qui avait ça. Il y avait un genre de capsule, mais avec un straight wall. Et chaque fois que je skate un capsule. Moi aussi, j'en ai skaté un, puis c'est vraiment. En tout cas, c'est différent, on va dire. L'autre place qui a ça, c'est FDR en Philadelphie, qui skate quand même assez bien. Là. Le gros pocket au fond de FDR, c'est un peu ça. Il n'est pas flat wall. Il est tout en couvre. Mais l'affaire, c'est que tu as un oververt pocket, puis tu as deux flat wall gauche et droite. Là, on s'en va faire l'inverse. On s'en va faire un flat wall entre deux pockets. Fait que ça skate pareil dans un sens. On veut. OK, cool. Merci. Yeah. Est-ce que tout le monde a suivi ça? est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. Parfait. Je vois une autre question ici de Isaac. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Oui. En fait, c'était juste une question rapide à propos des lumières. Tantôt, j'ai vu que vous avez parlé des lumières, mais pas sans plus de précision. Puis en fait, je voulais savoir s'ils vont être remplacés ou parce qu'en ce moment, ils sont un peu inutiles. Le soir, il fait beaucoup trop noir, puis c'est quasiment dangereux. Puis quand il commence à faire noir, il y a des gens qui sont encore motivés, fait qu'ils restent, puis ça se voit qu'ils tombent beaucoup plus, puis que ça commence à être dangereux, puis c'est un peu plate parce que l'autre bord, il y a des terrains de tennis parce qu'il y a deux personnes, puis il y a des grosses lumières absolument immenses, puis c'est ça, ouais. Merci, est-ce qu'on a une réponse par rapport à l'éclairage du site? Oui, en fait, du côté de l'île des Sœurs, il est prévu dans la réflexion, dans l'ajout de la rampe, d'avoir une réfection au niveau des lampadaires. Par contre, c'est pas dans les identifications qui ont été faites du côté du skatepark actuel. Mais on en prend note encore une fois aujourd'hui. Là, c'est pour ça qu'on est avec vous. Donc, merci du commentaire. Puis on regarde qu'est-ce qu'on peut faire à ce sujet-là. Parfait, c'est bon. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y avait
d'autres questions qu'on voulait poser de vive voix parmi les participants? Non, on fait un bon tour. Je vois Monsieur Alex McConnell. Ouais, ben, juste rapidement, tu sais, comme la réflexion de la butte là, dans l'espèce de transition rouge au fond où il va avoir le nouveau quarter, là, ouais, où tu as ta flèche là. Il y a tout le temps comme plein de terre puis tout ça qui se ramasse là. Puis c'est comme, je me demandais si c'était ça le but dans le fond de la réflexion, parce que sinon, ben, je pense que c'est important comme pour les bearings, tout. Puis ce coin, tu sais, comme je trouve vraiment nice pour les débutants, tu sais, comme de ce petit coin-là pour ne pas être trop dans les jambes des autres. Donc, je voulais savoir si c'était ça, dans le fond, l'optique là, de la réflexion. Oui, je pourrais répondre à cette question-là. Si tu vois, on est un peu loin, là, mais en arrière du pyramide, il y a un curb, il y a comme un bordure de 8 pouces qui fait tout le tour. Il fait tout le long du pyramide, puis ça va jusqu'au quarter pipe au fond. Fait qu'il n'aura plus d'entrée d'eau, il n'y aura plus d'entrée de boîte, rien. Comme c'est la raison qu'on a fait ça, c'est le plus gros problème. Et c'est cette terre-là qui s'en vient bloquer les égouts, qui fait des flaques d'eau partout. Là. C'est toutes les sources des problèmes d'infiltration d'eau et de terre, ça vient de ce coin-là. Fait que ça va régler ça à 100%. Exact, parce que souvent on allait comme péter la glace là, pour que le skatepark soit prêt plus tôt au printemps. Puis on voyait que les égouts étaient toutes bouchées. Là, ouais. C'est comme tout c'est... ce que je fais. Là, j'ai sneaké un petit module d'extra là-dedans. Le curb, il va être skateable. Ça va être le fun de la série. Puis pour les plus cowboys, tu sais, essayer un board slide en bas de cette affaire-là, ça va être le fun. Là. C'est plus gnarly. Bon, mais merci, Dan. Yeah. Merci ça répond à la question. Ouais. Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à les différentes facettes du projet ou le contexte dans lequel le projet s'inscrit? On a fait un tour de vive voix. On a quelques questions dans le clavardage. On pourrait peut-être y répondre, puis on verra si ça nourrit plus de discussions. Alors, une première question. Dans le clavardage sur le coût du nouveau bol et coût des réparations. Est-ce que c'est la Ville de Montréal ou bien l'arrondissement qui sera responsable des coûts? En fait, Pauline, je pourrais répondre à celle-là. Dans le fond, Parfait. Le coût du bol et des travaux pour l'aménagement du bol, comme on lance un appel d'offres incessamment, on ne peut pas vraiment dévoiler ces coûts-là, OK? Parce qu'on s'en va sur le marché. Par contre, on peut vous dire que ces coûts-là sont assumés à 80 % par la Ville-Centre et à 20 % par l'arrondissement en termes de proportion. Pour ce qui est des travaux de réparation du skatepark qui sont prévus à débuter au mois de mai, on parle de coûts autour de 75 000 $ okay, de réfection. Okay. Ceux-là sont assumés par l'arrondissement seulement. OK? Puis, le projet à l'île des Sœurs, lui, est assumé en partie par la Ville-Centre, en partie par l'arrondissement. Okay? Fait que ça dépend de quel projet on parle. Alors, l'ajout du nouveau bol, c'est vraiment à frais partagés. Okay? Fait que quand on va accorder le contrôle, on pourra vous dévoiler le montant exact du coût de ce projet-là. Merci, Madame Vallée. J'espère que ça répond à la question. Sinon, on peut y revenir. Une autre question dans le clavardage était d'un participant Clovis qui a 11 ans qui aimerait connaître les dimensions maximales du bol en longueur et en largeur. Soit Julie ou Dan, si vous êtes en mesure de répondre. Je vais laisser Dan prendre la question. OK. OK, je ne suis pas exactement sûr quelle dimension qu'il demande. Si on regarde d'un bord à l'autre, on est plus ou moins 80 pieds et de l'autre sens, à peu près 55, 60 quasiment. OK, alors 80 par. Plus ou moins. OK. Parfait. Puis une dernière question sur la possibilité d'ajouter un pump track.
En fait, sur celui-là, je dirais, on a, quand je mentionnais tantôt qu'on a une séance d'information, puis on a des consultations qui s'en viennent pour les besoins d'équipement collectif de l'île des Sœurs. Alors, quand on a tenu la séance d'information sur l'ajout d'une rampe à l'île des Sœurs, c'est un des sujets qui a été ramené. Alors, on entend bien consulter les citoyens de l'île des Sœurs à ce sujet-là, ce que c'est un des possibles. Parmi toute une série de projets, mais ça, il y a eu plusieurs citoyens là, qui ont exprimé un intérêt par rapport à ce projet-là. Donc, au niveau de l'arrondissement, on chemine là-dessus. Merci, Mme Vallée. Celui qui a posé la question, est-ce que ça répond bien à votre question? On va penser que oui. OK, parfait. Il y a une nouvelle question. Plusieurs parcs ont des périodes ou créneaux horaires réservés exclusivement au skate ou au BMX ou au scooter. Est-ce que quelque chose comme ce partage pourrait être envisagé? En fait, je pourrais peut-être laisser Marlène prendre la question. Marlène, si tu penses que tu peux parler historique du skate actuellement. J'espère qu'on me voit bien, j'ai pas ma lumière. Effectivement, c'est ce genre de. On s'est déjà fait poser ces questions-là si on allait faire des horaires particuliers. On n'a malheureusement pas le personnel pour être en mesure là, d'assurer la sécurité et s'assurer que les horaires sont respectés. On est plus dans l'accès libre du skatepark comme tel, mais on prend note quand même ce soir là, dans l'éventualité qu'il y aurait quelque chose d'autre, qu'on aurait peut-être des possibilités de programmes ou de subventions là, qui pourraient être admissibles à ce moment-là. Là, c'est un commentaire qu'on note là, également. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que ça répond bien à la question? J'inviterai les participants à poser leurs questions de vive voix si c'est possible. Évidemment, si on préfère dans le clavardage, il n'y a pas de problème. Mais l'objectif, c'est de participer, d'échanger de vive voix. On demande s'il y a des événements ou des compétitions organisées pour promouvoir le site. Je peux peut-être tenter une première réponse. En fait, on s'est déjà fait approcher pour des événements. Là, c'est sûr qu'on est en mode de conception puis d'aménagement, donc on n'a pas pu acquiescer à ces demandes-là actuellement, mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'on regarde avec un grand intérêt pour la suite des choses. Pas cet été, évidemment, mais peut-être de l'été prochain, on le souhaite. Puis c'est le genre de choses que j'aimerais ça inviter. L'équipe des communications va mettre en ligne un sondage. Et donc, tu sais, on entend parler des améliorations dont vous suggérez actuellement, que ce soit les lampadaires, que ce soit des modules du skate qui seraient à modifier, que ce soit des événements à ajouter. Si vous avez des idées d'événements, des idées de mobilier urbain pour compléter la conception autour du bol, on vous invite à nous partager vos idées à travers le sondage pour qu'on puisse garder justement une trace écrite des idées de tout le monde. Et que là, on est en phase 2, mais il va y avoir d'autres phases aussi de ce skatepark-là et on va pouvoir les intégrer à ce moment-là. Merci, Mme Mahoney. Est-ce que ça répond à la question? Je crois que oui. On va prendre une question de Célia Foison. Bonsoir. Bonsoir. Je suis là ce soir avec mes deux garçons et je suis là avant tout pour eux. Donc, c'est des grands skaters. Et moi, je suis une maman d'estrade. Malheureusement, des estrades, dans la plupart des skateparks, il n'y en a pas. Donc, je viens de vous entendre parler de mobilier urbain. Et j'aimerais savoir donc si dans les prochains investissements, parce que je comprends que là, il n'y aura peut-être pas la marge, il y aura possibilité de penser aux parents, même s'il y a aussi des adultes qui pourraient poser leur sac et puis faire des pauses éventuellement. Merci. En fait, c'est une super bonne question. On s'est déjà posé la question. On a voulu vraiment maximiser l'investissement parce qu'on a une chance d'avoir un investissement de la Ville-Centre sur le bol. Donc, le bol a été vraiment le point culminant là, de l'ensemble du projet de réfection cette année. Par contre,
On a commencé à déjà penser à une zone d'ombre, à une zone avec des tables ou du mobilier skateable aussi peut-être, donc des bancs skateables. Donc, on a plein d'idées à ce niveau-là pour aménager autour, mais c'est sûr que ça va se faire dans une phase ultérieure. Mais oui, étant maman de trois enfants, moi aussi, j'aime bien les accompagnateurs soient impliqués dans le projet aussi. Merci, Madame Maroney. Est-ce que ça répond bien à la question? Oui. Oui, merci. Il y a une question aussi de Benoît Paquin. Monsieur Paquin? Oui, bonsoir tout le monde. Ma question, c'est au sujet des transitions, la hauteur des transitions. Là, on a parlé de 9 pieds à quelque part, mais c'est pour ce qui est du reste, ça varie de combien à combien? OK. Le bol est basé sur pas mal une transition de 8 pieds, 5 pieds de haut. Si on regarde les deux plus grandes parties du centre, les parties les plus longues, c'est 5 pieds. On monte à 8 dans le coin avec le garde-corps. La capsule va monter jusqu'à 6,5. Fait que c'est 1 pied et demi qui descend aller chercher le 5. Et après ça, ça reste 5 partout jusqu'en temps qu'on se rend aux capsules. Capsule, elle a 9,5 à l'hauteur, puis on a une transition de 7,5. Donc, la partie jaune, si tu veux, ce bol-là est un petit peu plus tight. Il est 7 pieds et demi de rayon. Tout le reste a 8 pieds de rayon. Et la grosse flat bank, là, la grosse pente, elle a 7 pieds et demi de haut avec un curve de 2 pieds de haut en haut. Parfait, merci, excellent. Puis j'ai une deuxième question, ou plutôt proposition. On a parlé d'horaires de skatepark entre les BMX, etc. Mais quelque chose que je trouve dommage, ben c'est un problème qu'on a les skateurs un peu partout ce qu'on va. Des gens comme aucun rapport avec le skate se retrouvent dans le skatepark. Exemple, un matin, je suis allé, puis il y a une garderie qui a débarqué là. Fait que ça serait-tu possible de mettre peut-être des affiches qui indiquent que le skatepark est fait pour les skates, BMX, trottinettes, etc. là. Comme ça, on a un argument. Si quelqu'un vient, on dit « vous pouvez pas être ici », puis là, il y a une pancarte qui l'indique avec la réglementation. Je ne sais pas si ça serait une possibilité, là, des pancartes, ça fait une fortune. Merci, M. Paquin. Est-ce qu'il y a une réponse par rapport à la signalisation autour du skatepark? Effectivement, je vais répondre, mais il devrait effectivement en avoir une. On va s'assurer de ça là, pour justement qu'il y ait, je pensais qu'il y en avait une. Faites juste me dire s'il y en a une ou pas. Je pensais qu'on en avait mis une sur un peu sur la réglementation. Il n'y en a pas. Écoute, on va faire notre meilleur coup de pas. C'est vraiment, je pense que ça a tombé entre deux chaises. Je suis vraiment désolée parce qu'on avait demandé à mon équipe de vérifier. Puis on a fait le tour un peu des skates un petit peu partout qui s'est fait à Montréal, ailleurs, Repentigny, Dorval, etc. pour justement trouver quelque chose de commun, puis que ça soit facilement identifiable pour l'ensemble des skaters. Puis je me rends compte, je suis désolée, pas là, mais on va remédier à ça. Vous avez totalement raison, il faut qu'il y ait quelque chose au niveau de la sécurité et de la signalisation. Vous avez raison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je crois que M. Sterling Downey avait quelque chose à ajouter. Oui, je vais juste ajouter, donc, M. Paquin, comme tu dis, justement, tout le monde constate ça, l'enjeu avec le skatepark, c'est que les gens, ils s'assoient sur les modules pour regarder comme spectateurs, et beaucoup de gens ne sont pas au courant de le danger imminent d'être en proximité d'un quarter pipe ou quelque chose, puis un board qui part en pleine vitesse, puis ça te ramasse dans ta face ou dans tes hanches. Il y a un gros enjeu qu'il faudrait afficher, puis ça fait longtemps qu'on parle avec nos services, on va trouver la solution, mais il y a un affichage qu'il faut se faire pour les gens qui veulent venir voir, qui s'assoient soit sur les espaces gazonnés pour regarder ou quelque chose, mais pas dans le skatepark, pas sur les modules, pas sur les rails. Il y a une différence entre un skater qui attend, on sait tout, là, on fait tout skate puis tout ça, il y a une différence entre une personne qui attend sur un quarter pipe pour dropper, qui est conscient des boards qui s'en vient vers eux, versus quelqu'un qui est juste un maman ou un papa ou quelqu'un, ou comme tu dis, un garderie ou quelque chose avec des enfants à proximité. Écoute, le danger que ça pourrait poser, on l'a tout vu. Là, on a déjà vu des accidents sévères avec un board qui part, le Renegade. Donc, on va travailler avec nos services pour trouver la solution pour dire de ne pas s'asseoir sur les modules. Je pense aussi que dans le plan, on n'a pas parlé. Mais si vous regardez, il y a des gardes-corps dans certaines sections problématiques
qui vont se faire ajouter pour définir l'espace pour que les gens restent à l'extérieur du skatepark pour observer. T'sais, l'idée, c'est vraiment d'avoir une zone genre pique-nique, mais que les gens ils comprennent qu'il y a des zones pour observer et ce n'est pas à l'intérieur du skatepark que tu observes. Mais on va travailler sur la solution parce que c'est vraiment pertinent, basé sur l'achalandage et l'utilisation et les dangers, justement, que les gens ne connaissent pas. Là. Mais merci pour le commentaire. Merci, M. Downey. Est-ce que ça répond bien aux commentaires? Oui, merci beaucoup. Parfait. Une autre question ou commentaire de la part de Alex McConnell? Oui, donc ben, c'est comme pour continuer à faire du pouce là, sur ce que M. Paquin et M. Downey disaient. Oui, je trouve que c'est important là, de clarifier ces choses-là. Puis, je voulais juste souligner que c'est tellement agréable le skatepark de Verdun aussi, qu'il y a eu beaucoup d'enfants, qu'il y a eu beaucoup de relèves très, très jeunes. Ici, on a Noah McConnell qui, depuis 3-4 ans, il va au skatepark. Puis maintenant, disons qu'il est rendu à faire des rock to fakey, drop partout. Puis, tu sais, il n'est même pas encore à l'école, là. Fait que c'est super d'avoir fait un skatepark accessible là, pour les jeunes, puis pédagogiquement, pour qu'ils puissent apprendre, sa confiance en lui, tout ça. Donc, je trouve juste que c'est important que ça soit accessible pour les jeunes aussi, le skatepark. Fait que voilà. C'est ma dernière intervention ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que quelqu'un veut réagir ou est-ce qu'il y a d'autres questions à ce sujet parmi les participants? Madame Lampton, si tu me permets. Donc, juste pour ajouter ce qu'Alex dit. Alex, merci pour tes commentaires parce que justement, l'idée de cette skatepark-là, contrairement à l'approche de la ville du passé là, à l'époque, puis nos services sont vraiment, vraiment bonnes là-dedans, Julie puis son équipe et tout le monde, c'est que c'est un skatepark multigénérationnel. Hein? On ne parle pas des enfants, on ne parle pas des adultes, on ne parle pas juste des skaters. Okay? On parle de tout le monde pour avoir un genre de mentorat, surveillance naturelle, sécurité. C'est vraiment tous les âges. Nous, on le sait dans la culture skate, il n'y aurait jamais un jeune qui s'il se blesse. Il y a une vingtaine d'adultes qui vont intervenir. S'il y a du taxage ou du bullying, il y a des gens qui sont là pour surveiller. C'est ça qui est beau avec ce skatepark-là. C'est vraiment... C'est tout le monde qui est bienvenu et tout le monde qui est là-dedans. Qu'est-ce que j'aime dans le design du bol, et au début, je n'étais pas le plus gros fan, mais je le dis, c'est le petit bank to ledge là, que Danny avait fait. Qu'est-ce que j'aime là-dedans, c'est que ça permet à certaines gens qui ne sont pas capables de faire des drop-in, de dropper là-dedans et d'aller chercher quand même une vitesse jusqu'au temps qu'ils sont habitués de dropper sur un vert ou sur une transition. Fait qu'il y a des aspects quand même intéressants là-dedans. Et l'idée, encore, comme je pense que Danny l'a dit, le but, c'est pas d'avoir un Vans Ball. Hein. Ça serait le fun d'avoir un Vans Ball. Là. Je veux dire, tout le monde, je pense, on pèterait un bon time là-dessus. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est le fait qu'il y en a une maintenant à Montréal. Il y en a un vrai bol de compétition et un vrai centre, si tu veux, une place d'entraînement pour un niveau de skate professionnel compétitif. Que ici, ça permet justement à certaines gens, soit plus vieux, de juste chiller, carver, grinder, prendre ce relax, un petit peu à la même style que Parc Jarry, là, tu sais, vraiment relax, comme un petit peu à Saint-Viateur, tu sais, du old school, pour s'amuser avec nos enfants. Mais pour les skaters qui veulent vraiment faire un challenge, il y a d'autres options. L'idée, c'est vraiment de offrir une variété. T'sais, il va y en avoir une bol aussi, c'est important à mentionner. L'arrondissement Ville-la-Salle en construit une prochainement aussi cette année. Donc, la salle, pas loin de nous, il va y en avoir un autre bol, donc en proximité. Donc ça va être vraiment cool. T'sais, fait qu'il va y en avoir des offres pour tous différents styles de skaters et différents mondes pour faire différentes affaires. Puis aussi, il faut mentionner que mes collègues du Sud-Ouest, pas loin au parc Argenson, qui est juste au bout de Atwater, et ça va avoir un gros projet de 2,5 millions avec un gros pump track incroyable, énorme. Donc, pour les gens dans la groupe ici qui ont demandé un pump track, vous allez en avoir une en proximité. Puis nous, on savait que ça s'en venait. Donc, on était capable de viser vraiment sur la deuxième phase du skatepark en sachant qu'il y aurait un offre en proximité
pour les Verdunois, pour en avoir. Et peut-être, comme Mme Vallée l'avait mentionné, il y a aussi des consultations qui s'en viennent pour des équipements collectifs à l'île des Sœurs. Et donc, la possibilité, il y a des résidents qui ont demandé un pump track à Lille. Donc, ils pourraient avoir peut-être un pump track à Lille si jamais ça se débloque. Mais vraiment ici, je pense qu'on finit par avoir un skate park assez complet. J'avais les mêmes questions aussi que Vince puis d'autres mondes aussi quand on parlait des pockets, straight walls, tout ça. Je veux dire, on a tout skaté longtemps dans notre vie puis on a tout vécu des affaires. Puis je pense que ce qui est intéressant, c'est no park is ever going to be perfect. T'sais, chacun, ça va être différent. On est assez vieux pour comprendre que il y a des manières de faire, mais on est aussi limité à des contraintes. Et je veux amener une qui est vraiment importante à mentionner ici dans le parc arthurien. On est sur un ancien dépotoir. Et pour que les gens y comprennent, c'est qu'on ne peut pas excaver. Si on excave le terrain, c'est des sols contaminés et on est obligé de les déplacer et de les incinérer et tout ça. Et juste l'excavation et le déplacement des sols contaminés pour un projet comme ça pourrait monter à genre 200-300 000 $ du budget juste pour les sols. Donc, on s'est dit, dans cette section-là, le terrain descend. Et on pourrait construire sur terrain et buter un bol. Donc, on était limité un petit peu à les hauteurs et tout ça parce qu'on ne peut pas construire quand même une mur de 10 pieds du sol en hauteur. Tu sais, fait que c'était un petit compromis entre aussi. Donc, il faut juste prendre ça en considération et des fois, on n'en parle pas. Donc, but I think we get the best of all worlds. Et encore, on espère que les prochaines bols qui vont être construits par d'autres mondes et d'autres designers, tu sais, c'est l'Association de skateboard Montréal qui ont consulté sur le bol à la salle. Donc, il y a un autre groupe de skaters avec une autre vision qui vont être les consultants sur ce projet-là. Et donc, je pense qu'avec tous les gens et tous les experts là-dedans qu'on a et nous qui font des commentaires, je pense qu'on arrive à avoir une offre aujourd'hui de skateboard pour nos jeunes, nos enfants et même pour nous, qui est quand même vraiment intéressant. Puis je suis vraiment content d'entendre les gens d'être vraiment positifs parce que je sais comment ça peut jouer de tous les sens. Là, on l'a tous vécu en skateboard. Mais merci sincèrement parce que les équipes ils ont travaillé fort et on ne voulait pas non plus construire quelque chose qui est juste pour les enfants. On a travaillé fort pour faire comprendre à les gens qu'un jeune de 3 ans, comme tu dis, Alex, peut être une professionnelle déjà rendue à l'âge de 12 ans. Hein? Quand on pense à des gens comme Pierre-Luc Gagnon à 14 ans, qui était déjà au niveau international, Seb Toots en snowboard à 14 ans, qui était déjà rendu un pro. C'est pas parce que quelqu'un a 6 ans ou 8 ans qu'ils sont pas capables de rider quelque chose de 20 pieds ou de 10 pieds ou whatever. C'est juste l'idée, c'est il y a une autre place avec cette offre-là. Et ça ici, c'est juste pour les initiés et qu'ils apprennent et then they'll go to somewhere else. Donc, c'est un petit peu tout ça, mais je pense qu'on le comprend, mais vraiment, j'ai hâte là, de voir le projet se compléter avant novembre. Merci beaucoup, M. Downey, pour les précisions, les ajouts. Est-ce qu'il y a des réactions à ces commentaires ou d'autres questions de la part des participants? Pauline, est-ce que je peux juste compléter le commentaire de M. Downey? Si ça va prendre juste un petit instant. En fait, c'est pour bonifier, mais c'est pour juste dire que oui, le parc arthurterrien, si on creuse, on est dans des sols contaminés, mais le premier mètre que vous avez au sol, c'est du sol propre. Donc, on est dans les normes, on respecte les normes de la ville, puis on est très au fait des problématiques de sols contaminés. Donc, c'est vraiment une expertise qu'on a développée à Verdun, et puis on a une équipe d'ingénierie qui sont au fait du dossier. Donc, il n'y a pas de problème du côté des sols contaminés. On a un mètre de sol propre. Merci, Julie, pour la précision. Oui, désolé d'avoir fait peur. C'est pas ça que c'est pas ça que je voulais faire. C'était pas l'objectif. Il y a une citoyenne qui demande dans le clavardage s'il y a des cours de skate qui seront offerts auxquels on pourra s'inscrire. Oui,
En fait, puis Marlène pourra peut-être compléter, là, mais il y avait déjà une offre de cours de skate qui était disponible avant la COVID. Donc, c'est juste, on veut revenir à un état normal des choses avant de pouvoir faire une offre de service de ce côté-là. Fait qu'on va finir l'aménagement, mais on va revenir avec en force avec une offre de service skateable. Et juste pour ajouter à ce que Julie elle dit, n'oublie pas, je pense que pour plusieurs de vous autres aussi, vous êtes au courant déjà, il y a eu des belles journées avec Frédéric, Annie Guglia et la gang de Skirtboarders, puis tout ça, qui ont fait des journées de All Girl Skate Days et des activités comme ça. Fait que l'idée, c'est d'avoir des activités dans le skatepark sans nécessairement la réserver ou la fermer à tout le monde, mais d'encourager... du mentorat, d'initiation à la planche et le skateboard. Fait qu'il y a toujours la possibilité de le faire. Et s'il y a des gens qui sont intéressés, que vous connaissez, de les mettre en contact avec nos services, avec Mme Mahoney, avec Mme Gagnon et tout ça. Et eux autres, ils vont être capables d'explorer au moment que, comme Mme Mahoney a dit, quand qu'on puisse réouvrir d'une manière sécuritaire. Mais c'est voulu, hein, des compétitions, des démos comme Empire, il avait déjà fait des démos dans le skatepark et tout ça. L'idée, c'est d'inspirer nos jeunes et même nous, les adultes, pour voir qu'est-ce qui est possible dans ces parcs-là. Parce que quand il y a un pro rider ou un pro amateur qui ride cette parc-là, tout d'un coup, tu te rends compte que, coudonc, j'ai jamais vu cette module de cette façon-là, je l'ai pas attaqué de cette manière-là, j'ai pas pensé. Donc, toutes les possibilités s'ouvrent d'une maman pour un jeune et tout ça, de dire que, oh, je peux l'attaquer de telle manière, je peux y aller sur le mur, le straight wall qui est là, faire un wall ride, j'ai jamais pensé à ça. So, it's important to have those types of activities to inspire and tu sais, encourager les jeunes de rêver et d'imaginer des nouvelles lignes puis des nouvelles trucs et tout ça. Fait que il faut absolument qu'on l'encourage. Merci, Monsieur Dernier. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires auxquels on pourrait vous répondre ce soir? Est-ce qu'on a fait le tour? On va laisser une minute au cas où que les participants changent d'idée. Alors, on a fait un bon tour, je pense, des questions et des commentaires des participants. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions ou de commentaires, on vous remercie beaucoup de votre participation, de vos témoignages, de vos commentaires très enrichissants. Je passe la parole à Monsieur Sterling Downey pour la conclusion de cette soirée. Merci, Pauline. Mais en tout cas, je pense qu'on a tout dit, on a fait le tour au complet. Donc, je vous remercie toutes, puis je suis émouvé sincèrement de voir des gens ici, des papas, des mamans qui aiment le skate. Maintenant, aujourd'hui, des gens qu'on a skaté ensemble dans notre jeunesse, et aujourd'hui, on est des parents, puis sincèrement, il n'y a rien qui me rend plus fier, comme Benoît il avait marqué dans le chat, là, ça nous a pris 35 ans pour certaines de nous autres. Nous, on a commencé à militer pour ça à l'âge de 14 ans. Et tu sais, there's nothing cooler than being a 47-year-old elected official in Verdun et dire qu'enfin, on a un skate park, tu sais, qu'on a rêvé de notre jeunesse. Puis, on espère que vos jeunes, les jeunes qui sont ici ce soir, vont rêver big et un jour, dans 20 ans, eux, ils vont amener des améliorations ou d'autres affaires à ces projets-là pour que ça soit à eux. And hopefully they're going to be introduced to, écoute, une communauté puis un sport qui est tellement, Alex, tu l'avais dit, au niveau juste de l'estime en soi-même. All of what we learn in skateboarding, je serais pas un élu aujourd'hui à la ville de Montréal si c'était pas pour le skateboard, là. Sincèrement, because I would have never had the confidence to do something si j'avais pas peur de tomber puis de me péter la gueule puis de me relever, tu sais. Mais c'est vrai. Donc, mais ça, c'est des valeurs qu'on apprend dans une place comme ça, où la communauté travaille ensemble et est là pour tout travailler. Donc, je vous remercie pour votre contribution comme des citoyens, des citoyennes. Et nos jeunes, là, bravo à vous autres toutes, là,
pour tout ce que vous faites. Puis on espère, là, les papas et les mamans espèrent de vous voir maintenant. Le skateboard est dans les Olympiques. Là, you guys can dream, puis vous pourrez rêver d'être des athlètes olympiques dans les prochaines Olympiques dans votre futur, because skateboarding is here to stay. Et peut-être un jour, you're going to be our next future Olympians. Et c'est grâce à votre introduction au skateboard à Verdun, puis ailleurs à la ville. Donc, j'espère de le voir un jour, là, puis c'est cool. Là. Merci énormément à toi, puis merci à nos équipes, nos services et tout le monde. Merci, Pauline, pour l'animation de la soirée. Merci à mes collègues Luc Gagnon, puis justement à Véronique Tremblay, je pense qu'elle est encore là, Pierre Lheureux, il est là. Je ne sais pas si mes collègues veulent dire quelques mots de clôture juste en respect pour eux autres, là, parce qu'ils ont quand même aussi travaillé sur ces projets-là. Je ne sais pas si on peut les permettre un petit 2 minutes chaque ou quelque chose juste de parler, parce que je veux que les gens sachent aussi qui ont travaillé sur ces projets-là, parce que ça prend leur approbation aussi pour le faire. Sterling, ben, j'aimerais juste qu'on puisse remercier l'équipe de Marlène, là, l'équipe des sports là, avec Julie. Puis, Marlène, je la connais depuis quasiment presque 10 ans, 12 ans. Là, puis ils font un travail formidable pour être à l'écoute du milieu. Là. Puis ça, vraiment, là, il faut rendre hommage à leur travail. Là, puis c'est formidable. Puis j'aimerais juste comme lever mon chapeau aussi à Sterling. Là, Sterling, ton enthousiasme est débordant, là. Des fois trop débordant, mais maudit, tu nous achales tout le temps de le skatepark, mais honnêtement, là, tu t'as bien porté le projet, puis je trouve que c'est toi aussi, je pense que tu as beaucoup de chapeau pour toi, Sterling, franchement, et à l'équipe. Alors, bravo. Merci beaucoup, Pierre. Merci Véronique. On voit que le skate éveille les passions parce que vous avez passé presque 2 heures avec nous ce soir, 1 heure et demie avec nous ce soir, puis on sent l'effervescence chez tout le monde. Alors, c'est pour vous autres qu'on fait ça. On est content quand on voit les visages, quand on voit les enfants, la relève. On est content que vous soyez contents, puis j'ai hâte de vous voir sur le futur skate. Alors, au plaisir. Bibi. Puis, Sterling, il faudra que tu donnes un cours parce que je suis convaincu que vous, les skateurs, vous vous amusez à parler votre beau mot, votre jargon. Là, je comprends rien absolument, votre langage étrange. Là. il m'a bien fait rire. Écoute, Pierre, vous avez connu, pour les gens qui sont ici ce soir, qui ne connaissent pas Pierre Lheureux, Pierre aussi qui est élu, mais il reste à Verdun depuis qu'il est né. Pierre s'en souvient du skatepark en béton qu'il y avait au Mont-Soleil, à l'île des Sœurs, dans les années 70. Beaucoup de gens ne savent pas, Montréal, il y avait un skatepark en béton au Mont-Soleil, île des Sœurs. C'est dans les années 50, Sterling, dans les années 50. Ah, ben, ça a été construit, mais ça a été jusqu'à les années 70. Oh non, lui, à cause de lui. Mais en tout cas, mais ça, c'est quelque chose. Mais Pierre aussi a travaillé le dossier dans le premier mandat du premier skatepark et je remercie mon collègue pour son travail qu'il avait fait sur le premier skatepark. Monsieur Gagnon, un mot à clôture de toi? Moi, ce que j'aime du skatepark, c'est que quand on vote des sommes d'argent pour des équipements collectifs, c'est l'utilisation. Puis je me souviendrai toujours la première fois que j'ai passé après l'ouverture du Skate Plaza, à un lundi matin, 9h, puis il y avait plein de jeunes de différents âges, des petits gars, des petites filles, qui jouaient déjà, puis en revenant à 9h le soir, il y avait encore plein de monde qui jouait, qui faisait du skate. Donc, c'est une réussite totale de Skate Plaza, puis je pense que l'ajout d'un bol va venir rajouter en qualité du sport, puis donner l'exemple, inciter les gens comme moi qui ont repris le skateboard après 30 ans d'arrêt à l'essayer.